Bonjour à tous, on se retrouve sur FIFA 18 pour la Liga Santander. Je suis deuxième à un point du premier qui est FC Séville. Ils ont un match de plus. Donc si je bats Villarreal, je suis premier avec un match de moins. Donc si je gagne tous mes matchs jusqu'à la fin de la saison, je serai champion et j'aurai atteint l'objectif. Les nouveaux arrivants, Frosberg, Ziyech, Insigne, Hazard, Hernandez, Kimpembe, Courtois. Icardi, 93 en finition quand même, c'est presque l'excellence. Allez, les joueurs qui sont prêts ou Allez, je presque, vous préviens, sous la neige, ça bug un peu. Heureusement, il n'y a on qu'un attend match tous sous la avec neige. impatience, hein, le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bonjour, merci d'être avec nous pour suivre ce match. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous, parce que nous, on n'est pas vraiment au chaud. Oui, les conditions sont loin d'être idéales pour un match de foot, et puis même pour nous, les joueurs essaient quand même de développer un peu de jeu, et moi j'ai froid. Froid polaire, aujourd'hui, sur le stade. Et j'ai froid. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Villarreal. Le Real Madrid qui aborde ce match avec une attaque qui est tout simplement la meilleure de son championnat. C'est un élément important dans ce match. C'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. La composition du Real Madrid. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on pense bien, c'est le système qu'utilisait les Français en 98, mais aussi en 2006. Le Real Madrid qui reste sur une belle victoire à l'extérieur face à... Toi, il est déjà rentré de l'autre côté, il me fait dégâter. Ouais, Tiamo Quito.
Et c'est lui qui va être chargé de faire respecter le règlement dans ce match avec son petit sifflet. C'est monsieur Daniel Sonias Pelo. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Bon, je sens un terrain joli. T'as vu l'année, j'ai bien fait. Trigueros, il s'avance vers la surface. Avec un tir. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Un autre gardien, il va essayer de fauve. Ouais, c'est sorti, ce serait une touche. Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom peut plus. C'est plus pratique. Allez, c'est cher que frappé pour Romain Lafferre. Thomas Meunier. Oh, le but. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On voit bien sur ces images que, en plus, c'est pas de son meilleur pied. Ça, c'est ce qu'il prétend. Hein. On voit ce but sous un autre angle. Le Real Madrid qui prend donc le devant. Ça part bien, action dangereuse. Ah non, ballon perdu. Qui joue le haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son classement est mérité. Hein. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bien vu de la part de Habsik. Le tir. Ouais, là, le gardien, sans souci. S'approche de la zone de vérité. 15. Sans monter, c'est ça. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Voilà, qui touche. Qui perd vie. Quelque chose. La classe, il y a sans problème. Tout dans le velours. Pas trop. Ah, tiens, pas en profondeur, oui, bien vu. Ah non, c'est trop fort. Bien trop fort. On y revient à toute vitesse. Entrée. Oh, je sens un test. Oh, l'égalisation. L'égalisation, Pierre. Ouais, des joueurs qui créent le danger pour citer un peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Ah, même toi, tu vois. Moi, peut-être pas, mais toi. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Abdik. Le Real Madrid qui s'approche du but. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Le Trigueros.
pas ce maillot rouge et noir du Milan, c'est un maillot mythique qui faisait peur à toute l'Europe à une époque. Et c'est vrai qu'en général, à un moment donné, quand vous tombez contre le Milan AC, c'était la fin d'une aventure européenne. Lucio. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ce sera encore concédé par la défense finalement. Quand même, qui a visé la zone du point de penalty. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ah, le défenseur qui l'a amené doucement à sortir en touche. Remise en jeu rapide. Je veux le mettre du rythme. La neige qui est là et qui n'empêche pas la tenue de ce match. Non, l'arbitre a jugé que la pelouse était praticable. C'était au joueur de s'adapter du coup. On s'approche du but. Là, le ballon qui est perdu. Johnson Martins. Qu'est-ce qu'il y a de hasard ? Eden Hazard. Ça passe magnifique contre le poitrine. Eden Hazard. Ah non, c'est pas bien fait ça. Applique. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Al-Dafsari. Applique. C'est tellement facile pour lui. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Hazard qui donne le ballon. C'est juste parfait. C'est pour Hazard. Il va falloir être frappé dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et de la finesse, ça a du bon au fond. Et c'est son 20e but en Ligue 1. Meilleur buteur de la Ligue 1. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Manu Trigueros. Cette attaque, ça peut très bien faire un but. Carlos Bacca. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Attention, il y a un peu de spot devant lui. La faute du joueur du Real. Attention, un coup de Bacca. Qui donne un carton jaune à Kip Mb. Là, on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé. La même chambre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ouais, il passe de la tête. Bien. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. À la potence de bonne occasion. Une mi-temps. On est sur un but. Paris. Sur ce score donc de 2-1. Les joueurs mènent sur leur pelouse à la pause. Avec deux buts marqués, la meilleure attaque du championnat s'est installée tranquillement aux commandes de ce match. Avec cette confiance, je ne vois pas ce qui peut leur arriver. Vers la surface. Avec un tir. Voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet. Hein. C'est Thomas Meunier. Ah non, c'est trop fort. Bien trop fort. Retrait dans l'axe, c'est dangereux.
Hazard. Icardi en bonne position, Icardi.